Voilà. Donc, le contexte un peu général de mes recherches, donc, d'écologues, hein, c'est le fait que les écosystèmes ils font face à une multitude de changements environnementaux, que ça menace la biodiversité, y compris l'humanité, donc ça fait partie hein, de cette biodiversité. Et puis, donc, mes recherches, elles cherchent à mieux comprendre donc, quel va être l'impact de ces changements environnementaux sur la biodiversité et les conséquences en cascade pour le fonctionnement des écosystèmes. L'ambition, entre guillemets, de tout ça étant de finalement créer des connaissances qui vont permettre de concilier, mieux concilier les activités humaines et la conservation de la biodiversité. Alors, dans ce contexte très large, moi, en fait, il faut que je fasse les deux en même temps, je me focalise sur les communautés du sol. Alors déjà, moi, elles sont absolument fascinantes, si vous me demandez, mais non plus précisément, d'abord, c'est... Mais venez, venez, je vois que vous êtes... Donc d'abord parce que c'est une biodiversité qui est absolument extraordinaire. On a vraiment des organismes qui vont des micro-organismes, de microscopiques au macroscopique, jusqu'aux larges invertébrés comme les vers de terre, mais aussi les taupes. Donc on a vraiment une très grande diversité. Il y a un papier récent qui estime que 60% des espèces vivantes sur la planète, elles vivent dans le sol, en fait. Donc c'est un réservoir de biodiversité absolument incroyable. Et en plus de ça, eh bien, c'est une biodiversité qui est impliquée dans de très nombreux services écosystémiques qui sont absolument cruciaux pour les écosystèmes et pour l'humanité, notamment parce qu'ils maintiennent, régulent la fertilité du sol, la qualité du sol qui est nécessaire à la production alimentaire. Pourtant, c'est un compartiment qui est assez souvent oublié hein, dans les grandes initiatives de conservation, dans les études des effets des changements globaux sur la biodiversité. Peut-être parce que c'est sous nos pieds, on ne le voit pas. Peut-être aussi parce que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas des organismes qui sont très sexy à regarder. Mais en tout cas, c'est un compartiment qu'il faut absolument intégrer dans ce type d'approche. Et ça, c'est particulièrement le cas des communautés de faune du sol sur lesquelles j'ai eu pas mal l'occasion de travailler, qui non seulement représentent une fraction significative de la biodiversité globale, mais qui sont aussi une ressource alimentaire importante pour les prédateurs, enfin pour les organismes aériens et pigés. Donc, dans ma présentation, je vais d'abord essayer de vous illustrer un petit peu donc l'importance d'intégrer ces communautés pour mieux comprendre, enfin pour identifier en fait des pratiques agroécologiques qui vont réellement être capables de maximiser, enfin de conserver la biodiversité à la fois aérienne mais aussi souterraine. Je vais montrer aussi en quoi les liens entre les communautés aériennes et souterraines, en fait, elles sont indispensables pour mieux comprendre l'impact des activités humaines sur la biodiversité en général. Et puis de vous montrer aussi le rôle de ces interactions pour la multifonctionnalité. Et j'identifierai à partir de ces différents points des pistes de recherche futures que j'envisage. Alors, faut que je passe les deux, j'oublie. Donc, dans cette première partie, moi, j'ai un petit peu travaillé sur différents facteurs de changement environnementaux. Là, je vais me focaliser plus sur l'impact des pratiques agroécologiques qui, j'imagine, vous intéresse le plus ici. Oui, donc voilà comment ces pratiques influencent en fait les communautés du sol. Alors, donc en fait, ce qu'on sait déjà, c'est que la biodiversité du sol, elle va être particulièrement affectée par des pratiques intensives au niveau local. Il y a des synthèses qui existent, des expériences à l'échelle globale qui ont mis en évidence que, par exemple, le labour, les rotations intensives, ce sont des facteurs qui ont des effets assez importants sur les communautés, notamment de faune du sol, de vers de terre, par exemple. Et puis jusqu'à présent, une pratique un peu qui est souvent pointée du doigt hein, pour ses effets néfastes sur la biodiversité, les pesticides, ben jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment de synthèse quantitative de leurs effets sur les communautés du sol. Et donc, dans le cadre du postdoc que j'ai réalisé en Allemagne, j'ai développé une collaboration avec une amie, une collègue, Hélène Philips, dans laquelle on a réalisé en fait la première méta-analyse sur l'impact des pesticides sur ces communautés de faune du sol. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'à travers donc 54 études dans des contextes environnementaux vraiment assez variés, c'est qu'il y avait donc de manière générale un effet moyen négatif sur ces communautés. Évidemment, il dépendait de certains scénarios, donc on a pu identifier des scénarios plus néfastes que d'autres. Et puis ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que on avait des effets négatifs, y compris à des doses recommandées de pesticides, en particulier dans certains scénarios, là qui s'appelle substances multiples, sont en fait les scénarios les plus réalistes. On a des combinaisons de plusieurs substances qui sont utilisées, soit simultanément, soit au cours de la saison de végétation. Donc ça, c'est un résultat qui illustre en fait que les pratiques à l'échelle locale, elles vont avoir des effets importants sur ces communautés-là.
Un deuxième point que je voudrais faire, c'est qu'en fait, ces communautés, elles sont pas nécessairement, elles répondent pas nécessairement de la même manière que les communautés aériennes aux pratiques agroécologiques. Et ça, pour illustrer ça, je vais vous parler des travaux que j'ai menés avec Adrien Ruche et Brice Giffard, dont vous connaissez peut-être, notamment grâce à la thèse d'Axel. Hein. Donc, au niveau du site Atelier Bacchus, qui est un réseau de sites de parcelles viticoles en bio versus conventionnel le long de gradients de paysages. En fait, on a pu mettre en évidence, hein, ici je vous montre le résultat de la comparaison entre les parcelles bio et conventionnelles. On a mesuré en fait la diversité d'un grand nombre de groupes taxonomiques et trophiques, dont vous voyez la liste ici. Et donc, ces résultats, c'est les sorties des modèles qui estiment en fait l'effet du bio, la comparaison entre les parcelles bio et conventionnelles. Donc, quand les estimations sont positives, c'est-à-dire qu'il y avait une diversité plus importante dans les parcelles bio, quand ils sont négatifs, c'est qu'il y avait une diversité moins importante. Donc, ce qu'on trouve, c'est que si on résume un petit peu toutes ces diversités dans un indice un peu une moyenne standardisée de tous ces groupes, on a une augmentation de la biodiversité multitrophique dans les parcelles viticoles en bio. Par contre, si on zoome dans différents groupes, on s'aperçoit que pour ce qui est notamment des carabes et des vers de terre, donc de groupes clés un peu du sol, on avait plutôt des effets négatifs du bio. Ça peut être lié à l'utilisation de cuivre dans ces parcelles ou aussi à un recours plus important au labour pour compenser le fait qu'ils n'utilisent pas de herbicides. Donc, on voit, donc ça, c'est un exemple que, voilà, on a des réponses différentes entre compartiment aérien et compartiment du sol. Un résultat que je ne montre pas ici, mais qu'on a aussi pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait un effet du contexte paysager assez fort sur un certain nombre de groupes aériens, les papillons, les oiseaux ou encore les araignées du feuillage, par exemple. Par contre, on ne retrouvait pas ces effets-là au niveau du sol. Donc, bon, là encore, des choses qui montrent que ces pratiques, elles n'affectent pas ces communautés de la même façon. Le fait qu'il n'y ait pas d'effet. Non, pardon, je m'emmêle entre mes deux diaporamas. Donc, le fait que donc, en fait, ces communautés ne sont pas affectées par les mêmes échelles spatio-temporelles, c'est assez logique, puisqu'en fait, c'est des organismes qui sont très peu mobiles. Et donc, finalement, peut-être à l'échelle d'un tout petit collembole, une parcelle, c'est déjà un paysage. Et dans cette revue de la littérature, Maddy Thacker vous montrait que enfin, ici, vous avez le champ d'application en fait, de différentes théories d'écologie dans les sols. Et en fait, ces théories, elles vont plutôt s'appliquer à l'échelle de micro-sites au niveau du sol plutôt qu'à l'échelle paysagère. Donc, ce n'est pas forcément surprenant de ne pas retrouver ça. Et par contre, donc, les implications, l'implication de tout ça, c'est aussi que finalement, est-ce que si on focalise l'énergie sur trouver des pratiques qui vont favoriser la biodiversité aérienne, on ne va pas nécessairement conserver la biodiversité du sol simultanément. Et ça rejoint des travaux d'Erin Cameron qui montrait, donc ici vous avez un plan global, elle a comparé en fait les niveaux de biodiversité aérienne et souterraine. Et donc en jaune, c'est donc le niveau de biodiversité aérienne de mammifères, par exemple d'oiseaux, et en bleu, c'est plutôt la biodiversité du sol. Et en superposant les deux, elle se rend compte qu'il y a un décalage assez important entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait on a les pratiques qui vont permettre de conserver ces communautés aériennes, elles vont pas nécessairement protéger les sols, et donc ça invite vraiment à prendre en compte ces communautés si on veut trouver des pratiques agroécologiques vraiment efficaces pour conserver la biodiversité multitrophique. Alors, un deuxième point que je voudrais faire, c'est que donc, la biodiversité du sol, elle n'est pas isolée dans les écosystèmes. Elle entretient des liens très étroits avec les communautés aériennes, de plantes, mais aussi d'autres animaux. Et ces interactions, elles sont déterminantes pour le fonctionnement des écosystèmes et aussi pour prédire l'impact des changements environnementaux sur ces communautés. Une voie d'interaction principale qui est beaucoup étudiée, c'est via les communautés de plantes, évidemment. Donc, en fait, l'apport des matières organiques qui va être fourni par les plantes, ça va être un support qualitatif et quantitatif hein, pour les communautés de faune du sol. On va avoir des effets comme ça, un peu bottom-up. Et puis, en retour aussi, il y a des effets à la fois directs et indirects de ces communautés sur les plantes et puis sur les herbivores, par exemple, comme représenté ici. Des effets directs via des interactions positives avec les mycorhizes, des effets aussi négatifs avec des interactions avec des pathogènes ou des phytophages. Et puis, il y a tout un tas d'effets indirects aussi via les réseaux bruns, en fait.
où l'activité biologique de ces communautés de faune et de décomposeurs microbiens, bah, en fait, permet de recycler les nutriments et de favoriser la croissance des plantes, entre autres mécanismes. Donc ça, c'est des voies qui sont beaucoup, beaucoup étudiées. On peut, voilà, facilement manipuler en fait, ces systèmes-là aussi expérimentalement ou mesurer sur le terrain également. Par contre, il y a d'autres voies qui sont beaucoup moins explorées et que je voudrais vous parler un petit peu là. C'est en fait le rôle des prédateurs épigées pour, enfin, dans ces interactions. Ça, c'est beaucoup moins abordé. Au final, les prédateurs épigées comme les oiseaux, les araignées ou les lézards, dont je vais parler un petit peu plus maintenant, eh bien, ils vont se nourrir de ces différents organismes, à la fois dans le sol et en compartiment aérien. Et donc, il y a des voies d'interaction, d'effets top-down un peu, qui peuvent se passer et qui, eux, restent assez mal connus encore. Donc, pour illustrer ça, c'est une étude en 2014. En fait, ils ont, à partir de réseaux trophiques empiriques, ils ont évalué, hein, ils ont montré en fait que finalement les consommateurs, ils ignorent cette dichotomie entre épigée et endogée. Par exemple, donc ici, vous avez la proportion de dièse qui est dérivée de litière ou de plantes vivantes en fonction des niveaux trophiques dans des réseaux, dans trois réseaux terrestres. Donc ici, on a des détritivores qui se nourrissent que de détritus, puis ici, des herbivores stricts qui se nourrissent que de plantes. Par contre, si on regarde au niveau trophique au-dessus, finalement, on a tout un continuum. Les consommateurs, en fait, ils ignorent cette dichotomie. Ils vont pas forcément piocher que dans le sol ou que dans des ressources issues de la biomasse vivante des plantes. Un autre point qui mettait en évidence dans ce papier qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ces processus, le fait qu'il y a de multiples canaux d'énergie en fait, qui alimentent ces réseaux, et bien, en fait, ça va stabiliser les réseaux. Donc, ils utilisaient des simulations et des modélisations pour montrer que finalement, voilà, c'est des processus qui ont tendance à stabiliser les réseaux trophiques. Alors, pour illustrer l'importance de ces interactions, je voudrais vous parler de ce que je fais là, donc au laboratoire modélé à Pointe-à-Pitié. Donc, je travaille avec Liz Seisinger et Julien Cotte sur les effets en cascade d'un prédateur apical, le lézard, sur les communautés multitrophiques, aériennes et du sol. Et donc, un peu plus précisément, on étudie en fait comment la structure trophique de ces communautés, elle influence la réponse au changement climatique. Et on s'intéresse en particulier à savoir est-ce qu'il y a des effets de synergie entre la disparition de prédateurs apicaux comme les lézards et le réchauffement climatique sur ces communautés, sachant que ces prédateurs, ils sont particulièrement sensibles au changement climatique, mais aussi à tout un tas de facteurs de changement environnementaux plus généralement. Donc, pour étudier ça, je travaille sur un dispositif qui est assez unique, le métatron. Peut-être vous connaissez, qui est la mouvice. C'est vraiment incroyable. Des cages de 100 mètres carrés. Depuis 2010 à peu près, on a vraiment des mini-écosystèmes semi-naturels, parce que rien n'a été ajouté dans ces mésocoses. On a vraiment une grande diversité de plantes, d'insectes, de communautés du sol également. Et donc, dans ce dispositif, on a la possibilité de mesurer et de contrôler les températures avec des systèmes de toits qui s'ouvrent ou qui se ferment à partir de certains seuils de température. Et donc, moi, cette plateforme, finalement, je travaille sur une expérience qui a duré depuis 2015 jusqu'à 2021. En fait, on a manipulé de manière simultanée, en design factoriel croisé, la température avec des traitements contrôle et puis des traitements réchauffés, traitements en fait réchauffés température plutôt en été, et des traitements avec et sans lézards. Les lézards étant en fait des prédateurs généralistes dans ces systèmes qui vont manger tout type d'insectes et d'invertébrés. Donc c'est assez excitant cette expérience, sachant qu'on a 7 ans de données sur, pardon, que je me mélange, voilà, les communautés d'invertébrés de la végétation, de plantes, et puis jusqu'au sol qu'on a mesuré avec des approches de métabarcodie. Donc le premier point que je voudrais faire avec ces résultats, qui sont encore assez préliminaires, c'est que après 7 ans, enfin c'est même pas après 7 ans, c'est à travers toutes les 7 années, on voit que vraiment il y a des effets considérables de la disparition de ces prédateurs sur les communautés multitrophiques. Ce qu'on observe, c'est que quand en fait on. Donc, ça, c'est la différence entre la diversité de Shannon pour ces différents groupes dans les traitements où il n'y a pas de traitement climatique, c'est juste la comparaison avec les arts sans les arts.
Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la disparition des lézards, ça entraîne une augmentation de la diversité des invertébrés de la végétation, en tout cas au mois de juin. Mais par contre, une diminution de la diversité des plantes et de celle des champignons du sol. Donc, on a vraiment des effets assez considérables hein, sur la biodiversité multitrophique, des effets qui cascadent jusqu'au sol, ce qui pour moi, en tant qu'écologue du sol, était complètement fascinant. Alors, ces effets, ils peuvent être vraiment expliqués par des cascades trophiques, en fait, où les lézards, enlever les lézards, finalement, va enlever la pression de prédation qu'il y a sur des arthropodes, notamment des herbivores. Ça va libérer finalement peut-être l'herbivorie des plantes, leur permettre de croître de manière plus importante ou de se diversifier plus. Et puis, les effets sur les communautés fongiques, c'est peut-être des effets bottom-up via des apports de matières organiques de plantes différentes. Voilà, c'est juste la diversité taxonomique. J'ai pas encore regardé la composition, mais peut-être qu'il y a des changements de nature ou de quantité de matières organiques qui vont impacter ces communautés fongiques. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je voudrais vous montrer un autre résultat qui est enfin, pour moi assez fascinant, mais c'est qu'en fait, ce que suggèrent les résultats pour l'instant, encore une fois, c'est préliminaire, mais c'est qu'en fait, les effets du réchauffement climatique sur ces communautés, ils ne sont pas les mêmes quand il y a des lézards ou pas dans les systèmes, et là, c'est extrêmement intéressant. Donc, sur la gauche, vous avez les effets du réchauffement climatique, la différence entre les traitements avec et sans réchauffement. En présence de lézards. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des effets climatiques assez faibles, il n'y a rien qui est vraiment très significatif. Je vous mets aussi donc, les différents points ici en couleur, c'est en fait les effets chaque année. Donc, on a 7 ans hein, de données, et on voit qu'il y a quand même une variabilité temporelle assez considérable de ces effets, ce qui peut venir du fait qu'en fait, nos traitements, ils n'ont pas nécessairement la même intensité d'une année sur l'autre. On pourra y revenir dans les questions si ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà, des effets assez faibles, assez variables temporellement. Là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on fait disparaître en fait, les prédateurs, on a non seulement des effets qui sont plus accentués sur certains groupes, par exemple les plantes, où on a des augmentations de diversité de plantes en réponse au réchauffement, mais uniquement quand les lézards ne sont pas là. Et ce qui est intéressant aussi, mais là il va falloir creuser un petit peu plus, c'est qu'en fait la variabilité temporelle des effets du réchauffement est plus importante sans lézards qu'avec les lézards. Et ça rejoint peut-être quelques théories qui suggèrent en fait que la présence de ces prédateurs, elle joue un rôle dans la stabilité de ces réseaux et dans leur résistance finalement à des pressions climatiques. Et donc là, ça ouvre des perspectives assez intéressantes, puisque ce serait, si c'est le cas, une motivation assez importante pour conserver ces prédateurs, en disant qu'ils sont capables de tamponner éventuellement les effets du réchauffement climatique. Donc là, bon, c'est vraiment quelque chose de très à chaud que je vous présente. Il y a encore beaucoup de travail, mais c'est des résultats assez prometteurs, en tout cas, et qui illustrent vraiment le fait que finalement, des changements dans les communautés aériennes ils vont pouvoir se répercuter au niveau des communautés du sol. Et que donc voilà, ignorer en fait les interdépendances entre ces compartiments, c'est un petit peu dommage. Alors ces résultats, ils rejoignent quelque chose c'est assez connu aujourd'hui qu'en fait les effets du réchauffement climatique, les causes en fait d'extinction liées au réchauffement climatique, c'est pas forcément médié par des effets directs sur la physiologie des organismes, c'est plutôt via des changements d'interaction biotique qui sont altérés ou qui disparaissent à cause de changements d'occupation, par exemple, des différentes espèces. Donc moi, je pense que ces mécanismes-là, ces effets indirects, plus généralement, pas que dans le cas du réchauffement climatique, c'est tout type de changements environnementaux, en fait, affecter ces communautés via ces effets indirects que je trouve assez fascinant à étudier. Et donc ça, les implications par rapport à l'agroécologie, je pense que c'est que finalement... Des pratiques à l'échelle du paysage, que je montrais au début comme n'affectant pas tellement les communautés du sol, elles vont peut-être les affecter de manière indirecte en affectant les compartiments aériens, les plantes ou les prédateurs aériens. Et donc ça, c'est encore très peu étudié malheureusement. Alors voilà, maintenant je voudrais aborder rapidement les implications fonctionnelles de tout ça, un peu quelles sont comment ces changements de communautés multitrophiques vont se répercuter sur les services écosystémiques. Donc on sait aujourd'hui en écologie que la biodiversité elle permet de maintenir, de promouvoir peut-être un certain nombre de fonctions. Alors ça a été beaucoup étudié sur les plantes, c'est aussi le cas hein, dans les sols. Là c'est pour illustrer ça sur l'exemple de la diversité des décomposeurs, c'est les travaux que j'ai menés en Allemagne avec Nico Eisenhower et Frédéric Bellander, où on a réalisé une méta-analyse.
un certain nombre d'études qui montraient que finalement, là c'est dans le cadre de la pollution par des pesticides ou des métaux, en fait, plus la diversité diminuait en réponse à la pollution et plus la décomposition diminuait aussi. Et avec des modèles par équation structurelle, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, on a pu mettre en évidence que c'était un effet médié par les changements de biodiversité de ce compartiment des décomposeurs. Donc, la diversité des détritivores des décomposeurs dans le sol, mais aussi ici, on a plus eh bien, elle va affecter un service clé, la décomposition des litières, qui est impliquée dans le recyclage des nutriments aux plantes. Voilà. Donc ça, c'est à l'échelle d'un niveau trophique. Maintenant, on sait aussi que c'est compte tenu de ces interactions biotiques, c'est aussi la biodiversité à plusieurs niveaux trophiques qui est importante pour soutenir un certain nombre de fonctions. Et donc pour illustrer ça, c'est certains travaux que j'ai menés avec Adrien Ruche quand j'étais en postdoc à Save, où on étudiait en fait l'effet de mettre des bandes fleuries dans les interrands des parcelles de vignes avec des niveaux de diversité plus ou moins élevés. Donc là, on a comparé des bandes fleuries avec juste deux espèces de graminées contre des bandes fleuries diversifiées avec des fleurs, avec une diversité fonctionnelle plus importante. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que, y avait des effets en cascade de ça sur les communautés d'ennemis naturels et sur le service de régulation, et que finalement la diversité végétale, elle, augmentait l'abondance des communautés d'ennemis naturels, à la fois dans la végétation et au niveau du sol, comme des araignées par exemple. Et puis ça conduisait aussi à augmenter un petit peu les taux de prédation des œufs d'un ravageur des vignes, qui est le Lobelia, sur lequel Axel a aussi travaillé. Par contre, ces effets-là, ils dépendaient du contexte paysager. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des effets particulièrement positifs dans des paysages simplifiés, alors que quand on complexifiait les paysages, c'était un petit peu moins clair. Donc ça illustre vraiment que voilà, cette biodiversité multitrophique, elle est fondamentale hein, pour mieux comprendre des services écosystémiques comme la régulation naturelle des ravageurs. Et puis, elle est aussi importante. Bien évidemment, pour maintenir simultanément plusieurs fonctions, plusieurs services. Donc, ce concept de multifonctionnalité, dont je remets la définition ici, qui était un peu au cœur de mes travaux avec Adrien et Brice à Save. Donc, vous vous rappelez, au début, je vous montrais l'effet du bio sur différents groupes taxonomiques et trophiques. On a aussi mesuré, je dis on, en fait, c'est eux, enfin, moi, pour analyser. Enfin, c'était vraiment un travail assez phénoménal, mais donc en mesurant tout un tas de proxys de trois services écosystémiques assez clés dans les vignobles, donc la production de vin, les services liés au sol, à la qualité, à la fertilité du sol et la régulation des ravageurs au moyen de différents proxys que je ne détaille pas, mais sur lesquels on peut revenir si ça vous intéresse. En tout cas, ce qui était assez intéressant, ce que je voulais en tout cas vous dire, c'est deux choses. Déjà, ces résultats, ils illustrent un peu le compromis classique qu'on attend, c'est-à-dire le bio, il va finalement diminuer le rendement, mais il va améliorer la biodiversité et puis améliorer la régulation naturelle des ravageurs. Donc, il y a des compromis, il peut y avoir des compromis ou des synergies entre ces services écosystémiques. Ça, c'est un premier point. Et puis, si je reviens un peu au sol, ben, là encore, hein, on trouve ce qui a évolué finalement à ce qu'on montre des communautés. Ben finalement, on n'avait pas d'effet très probant du bio sur les services liés au sol. Alors, c'est peut-être les proxys qu'on a considérés qui sont assez simplistes. C'est peut-être aussi du fait de la réponse assez négative de certains groupes clés, hein, comme les vers de terre. En tout cas, là encore, on a des réponses différentes de ces deux services écosystémiques associés au compartiment sol et au compartiment aérien. Mais en tout cas, voilà, ça illustre que. Enfin, ça illustre en fait un enjeu clé pour le déploiement de l'agroécologie, c'est ces compromis entre produire, conserver la biodiversité. Voilà, comment on sort de là? Peut-être si on comprend mieux les mécanismes qui sont impliqués dans ces compromis, dans ces synergies, et bien on trouvera des leviers d'action peut-être plus pertinents que le bio pour dépasser ça et avoir une agriculture plus durable.
Voilà, parce que donc oui, il y a des compromis apparents entre rendement, conservation de biodiversité, mais l'écologie, elle nous dit bien qu'il y a des synergies possibles avec la régulation naturelle des ravageurs, avec la fertilité du sol. Donc comment on peut promouvoir ces synergies et atténuer finalement les compromis, voilà, là, il faut comprendre un peu les mécanismes qui sont impliqués là-dedans. Et donc ce que j'essaie de vous montrer dans tout ce petit résumé, c'est qu'en fait, peut-être les interactions entre les compartiments aériens et souterrains, eh ben, c'est une clé de compréhension qui pourrait être assez intéressante pour identifier des leviers. Donc pour résumer un petit peu, hein, j'ai montré que le sol ne répond pas de la même façon nécessairement que les communautés aériennes à des pratiques agroécologiques. Donc là, on a peut-être une première source de compromis ici. Et puis que ce compartiment du sol, il dépend du compartiment aérien et puis inversement, il y a des interrelations qui sont fortes entre ces deux compartiments et qui peuvent permettre de mieux prédire en fait l'effet des pratiques ou l'effet des changements environnementaux sur la biodiversité multitrophique. Et puis non seulement pour la biodiversité, mais aussi les effets en cascade pour plusieurs services simultanément, donc pour la multifonctionnalité. Donc tout ça, ça dessine un peu le genre de questions que moi j'aimerais développer en fait dans le futur, qui nécessitent des collaborations avec des experts de ces différents compartiments. Moi, je ne suis pas spécialiste des oiseaux ou voilà, de certains prédateurs aériens, par exemple. Donc pour vraiment mettre en place ce genre de cadre conceptuel, ben, il faudrait un projet enfin, quelque chose d'assez collaboratif en tout cas. Donc c'est assez vaste. À ce stade, j'ai quelques diapos dans la suite. Je sais pas si à quel, enfin, je vais essayer de passer assez vite. Ça intéresse peut-être pas l'ensemble d'entre vous, mais je pense que déjà, de mieux comprendre en fait les effets indirects des pratiques via ces interactions, à la fois sur le compartiment du sol et le compartiment aérien, ce serait une clé assez importante de compréhension. Et puis ensuite, de relier ces changements de communauté avec des fonctions, des services, pour mieux comprendre les causes en fait des synergies ou des compromis entre services médiés par ces interactions, ce serait un peu une deuxième piste que j'envisagerais. Alors je vais peut-être pas, est-ce que j'ai encore un peu, oui bon, 30 minutes ça va si je vous évoque rapidement quelques idées. Une première idée, ce serait donc déjà d'avoir un peu les effets indirects au niveau des communautés du sol via les changements de communautés aériennes. Donc, un peu la question générale à laquelle ça se rapproche, c'est OK, comment on trouve des pratiques qui vont favoriser à la fois les communautés aériennes, mais aussi les communautés souterraines. Donc, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut mieux comprendre les effets indirects de ces pratiques sur le sol? C'est un peu ça l'idée. Donc là, j'ai mis par exemple l'effet de la diversification des paysages, parce que c'est quelque chose qui est un levier d'action en agroécologie très important pour la biodiversité aérienne. On sait que pour un grand nombre d'organismes du sol, ça va avoir des effets assez limités sur la biodiversité alpha, en tout cas hein, dans les parcelles. Par contre, il y a potentiellement des effets indirects assez importants via des changements des communautés aériennes, que ça soit des plantes, des effets bottom-up ou des prédateurs épigènes, des effets plutôt top-down. Et là, en écologie du sol, on a très peu d'informations sur l'importance relative de ces deux effets et à quel point ben, ça explique en fait ces communautés et puis ça explique leur capacité à réaliser un certain nombre de fonctions. Donc ça, ce serait un premier point. Alors pour tester ça, ça pourrait être à partir d'observations de terrain avec des gradients paysagers sur lesquels associés à des gradients de diversité de prédateurs, par exemple, ou de plantes, de caractériser les réseaux trophiques au niveau du sol. Je pense notamment au métabarcoding qui est assez prometteur parce qu'on a des connaissances assez mauvaises finalement sur la taxonomie des organismes du sol. Et donc ça, c'est une technique qui permet de lever certaines limites, qui en crée des nouvelles, on pourrait en parler. Et puis donc à partir de ces observations, hein, utiliser par exemple des modèles par équation structurelle pour quantifier des effets indirects que pourraient avoir les pratiques sur le sol via des changements de ces prédateurs des communautés de plantes. Alors, j'en parlais, hein, ma méta-analyse des pesticides, en fait, elle fait partie d'un plus grand projet où on a en fait une base de données de à peu près 600 études, parmi lesquelles il y a des études multitrophiques. Donc ça, ce serait une autre manière d'aborder ces questions, ce serait par des approches méta-analytiques de mettre en relation l'effet de certains changements globaux sur des prédateurs, sur des plantes, de les mettre en relation avec la réponse des communautés du sol pour quantifier un petit peu ces effets indirects et les comparer entre eux. Bon, ça, c'est quelques idées vraiment un peu
Un peu mi-cuite, comme disent les Anglais, au début. Et puis, un deuxième aspect qui, je pense, serait assez intéressant, c'est de comprendre la boucle de rétroaction du sol au prédateur. Ça, c'est beaucoup moins, je pense, abordé. Est-ce que finalement, des pratiques, enfin, donc, comme je vous l'ai montré, hein, c'est des pratiques au niveau local qui affectent beaucoup ces communautés. Est-ce que la réduction des pesticides, du labour, elle va bénéficier en cascade au compartiment aérien en augmentant la diversité ou l'abondance de ces communautés de faune du sol? Ça pourrait être extrêmement intéressant. C'est assez peu fait. Donc, il va y avoir bien évidemment des effets au niveau des plantes, au niveau du rendement, potentiellement des effets synergiques, puisque ces communautés du sol, elles sont impliquées, comme je le disais, dans le recyclage des nutriments, mais aussi la stabilité, l'infiltration de l'eau dans le sol, etc. Donc là, il y a des synergies possibles. Et puis, la faune du sol, c'est aussi une ressource hein, pour les prédateurs épigées. Et donc, ça pourrait affecter en cascade le service de régulation naturelle. Là, il n'y a pas beaucoup d'éléments, ou alors, je n'en ai pas connaissance en tout cas. Déjà, qu'est-ce qui représente ce flux d'énergie dans les écosystèmes du sol, au plafond, j'ai envie de dire, du sol, au compartiment aérien? Là, on ne sait pas vraiment. Enfin, moi, je n'ai pas connaissance en tout cas. Je pense que ce serait assez intéressant. En écologie du sol, je lis des papiers où les gens considèrent que les vers de terre, par exemple, c'est des baleines trophiques. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de baleines qui sont en fait prédatées par personne, qui sont tranquillement dans le sol, etc. Moi, je vois tout le temps dans mon jardin des oiseaux manger des vers de terre. Il y a un flux d'énergie qui est certain, et juste en écologie du sol, on a tendance à rester dans notre petit sol où il y a une petite tente, mais du coup, voilà, je pense qu'il faut complexifier un peu tout ça. Donc, ça, ce sera assez intéressant. Et puis après, ben, comment est-ce que ça influence la régulation des ravageurs? Puisque finalement, si on apporte une nouvelle ressource, est-ce que finalement, on va diluer un peu la régulation des ravageurs en leur apportant une ressource alternative qu'ils peut-être préfèrent? Peut-être que ça va plutôt jouer sur des prédateurs généralistes. Ou est-ce qu'au contraire, en apportant cette ressource alternative, on favorise leur diversité, leur abondance, et du coup, ben, ça promeut en cascade le service de régulation? Donc là, il peut y avoir à la fois des synergies, des compromis avec ce service de régulation. Voilà, ce sera intéressant de les démêler, je pense. Donc voilà, là encore, ça pourrait passer par des observations de terrain où on aurait des gradients d'intensification locale, de réduction de l'utilisation du labour et des pesticides. On pourrait caractériser les communautés aériennes et souterraines. Et puis, une approche que j'aimerais développer, c'est celle des réseaux trophiques énergétiques qui permettrait de faire le lien entre les changements de composition des communautés et les fonctions. Donc, je vais juste en parler rapidement. Donc, c'est une approche qu'on a commencé à développer quand j'étais à Bordeaux avec Adrien, avec Lucille Mumeret et Benoît Gauzin, dans le cadre du stage de Gauthier Lurien. Où, en fait, sur les parcelles de Bacchus, on a essayé de quantifier les réseaux énergétiques assez ambitieux, allant des détritivores jusqu'aux oiseaux, et d'évaluer en fait une multifonctionnalité trophique. En fait, très brièvement, dans cette approche, on va mesurer la biomasse de différents nœuds trophiques dans notre réseau. On va estimer leur demande métabolique. Et à partir des liens trophiques entre ces organismes connus sur la base de la littérature ou de caractérisation plus fine, et en fait, on peut quantifier donc des flux d'énergie entre ces différents compartiments. Et c'est assez intéressant parce qu'on est dans une unité commune d'énergie, joules par mètre carré par temps, qui nous permet en fait, de sommer, par exemple, l'ensemble du flux de prédation dans ce réseau d'herbivorie ou de détritivorie. Et puis, du coup, bah, de caractériser une multifonctionnalité trophique qui peut venir compléter en fait, des mesures de fonction, de proxy de services écosystémiques qu'on utilise classiquement. Et qui a l'avantage de vraiment faire le lien mécaniste entre la composition des communautés, la diversité et les fonctions. Donc, alors ça, par contre, ça nécessite de mettre en place des échantillonnages dédiés. Donc, c'est vrai que dans le cadre du stage de Gauthier, on a eu pas mal d'écueils. Il y a des méthodes d'échantillonnage qui permettent pas vraiment d'estimer la densité, en fait, qui sont plus des activités densité. Par exemple, les petites fall traps, c'est un exemple assez classique. Il faut mesurer aussi, enfin, c'est mieux de mesurer la biomasse directement, la taille corporelle des individus, puis d'extrapoler après pour calculer leur biomasse, plutôt que de se référer à des valeurs de littérature qui sont en fait des moyennes, donc qui sont moins précises. Pardon, en fait, j'ai avancé trop.
Donc voilà, il faut des échantillonnages dédiés, mais en tout cas, je pense que ce type d'approche serait assez intéressant et ça permettrait aussi de constituer des bases de données sur des liens trophiques qu'on ne connaît pas vraiment, en fait, les liens entre ces prédateurs réfugiés et cette faune du sol. J'ai fini, j'ai presque fini là. Donc voilà, ce serait une occasion d'améliorer nos connaissances sur ces interactions trophiques. Alors pour finir en 30 secondes, je pense qu'un autre aspect qui serait intéressant, ce serait de suivre ces réseaux dans le temps. Il y a des synergies entre services qu'on manque parce qu'on est à court terme, par exemple entre la biodiversité du sol et les rendements en raisonnement à une année après l'autre. En fait, on manque complètement des synergies qui opèrent sur des temps beaucoup plus longs. La biodiversité, elle joue un rôle dans la stabilité des communautés, la résistance à des perturbations. Et aussi, vu qu'il y a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, suivre dans le temps ces communautés, ça permettrait de voir un petit peu leur résistance à des vagues de chaleur extrêmes, par exemple, ou de sécheresse. Donc ça, ce serait des choses qui seraient intéressantes à mettre en place dans la continuité, en fait, un peu de ce que je proposais avant. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.